Hello. On se retrouve pour pas changer sur un display. Enfin, pour pas changer parce que. En fait, ça dépendra, hein, ça dépendra. Ça sera peut-être le premier qu'on diffusera ou peut-être le dernier. Ou on sait voilà, pas. On se retrouve aujourd'hui pour du Eevee's Hero. L'extension que tout le monde veut. Et que nous, on veut plus. Ouais, on veut compléter. Exactement. Donc, en tout cas, on va ouvrir tout ça tout de suite après l'intro. Allez, hop, c'est reparti avec nos beaux boosters que j'aime beaucoup. Droppons de la belle carte. Tu fais bouger la table. Je sais. Est-ce que je vais faire... Ça va être un display qui va être du tonnerre, qui va faire bouger tout. Oui, pourquoi pas. Allez, hop, si j'y arrive, parce que là j'ai décidé de pas y arriver. Hop, voilà, ça y est. Mes beaux boosters. Hop, on y arrive comme il faut. Ou comme on peut. Ou comme on peut, oui, surtout. Allez hop, voyons ce que ça nous réserve avec un petit Scarabrut. Miaouss, Zorak, Flabébé et une petite vie. Hop là là, Fidali. Toujours pas Givrali. On cherche la Givrali, que j'aime beaucoup en plus, j'aimerais vraiment la voir, elle est jolie. Ouais. Puis surtout on veut compléter quoi. On veut compléter, on veut de l'alternative, on veut plein de belles choses. C'est ça. Allez, un double VMAX alternative dans le même coffre. Allez, go. Let's go. Alors, le truc de Filali, Grimalin, Nymphalie, pardon, Tourné Coton, Big Magma, et premier holo avec Ah non, Zoroark. Et ben on l'a pas vu souvent cette holo. Je l'aime bien. Je la trouve très jolie. Elle est sympa. Bon, après on veut du Raichu en holographique hein, et de Entei. On aime beaucoup. Ouais. Elle est sublime cette carte. Oui, et puis l'évolution Flabébé aussi que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est les trois holographiques qu'on aime beaucoup. En chouette. J'aime bien Marchado aussi. Marchado est pas mal non plus. Et rien du tout. Avec un petit Persian. Merci personne. Hop. S'ouvre mieux cela, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. Des fois pourtant, c'est à quelque chose près, c'est marrant. Peut-être que c'est pas le même. Encore pour Nymphali, le Démenta, oui Messire, l'Empereur et l'évolution de Flabébé. Allez, accélérons, ouais. Passons la vitesse supérieure et dropons de la belle carte. Bon, déjà, on a des belles cartes là. Hein. Ouais. Moi, c'est vrai que je fais une collection d'Evolides et de Sévolutions. Hein. Donc là, moi, je me plais là-dedans. Tout ça, c'est vraiment mon top. Ouais, on est tellement gourmand qu'on veut tout. Ah, premier, une autre V, je dirais Mentali. Oui, Mentali, on mais je. On l'a pas eu souvent, on l'a eu une fois. Je sais plus si on... Oui, il nous manque juste Givrali, mais on a eu juste Mentali une fois. Ce qui est bien. Bon, ça, on l'aura plus une deuxième fois, c'est bien. C'est cool. Mm. Pas mécontente de l'avoir à nouveau. Givrali. Givrali, viens chez nous. Viens chercher bonheur. Allez. Noctali, Flambébé. Enfin, j'ai dit l'évolution de... Pierre d'évolution, Voltorb, Gobou. Oh, enfin, yes! Ah, la V alternative Nymphali, c'était une de mes préférées. Ah, chouette! Ah, sublime! Ah, bah, vous, sûrement vous verrez ce display en premier. Oh, yeah! Ah, ça fait plaisir. Je voyais du rouge, j'ai dit, mais c'est quoi? Du feu? Mais non, mais. Ah, oh, trop beau. Elle mérite. Trop contente. Ouais, allez, c'est... enfin une alternative, parce que, bon... Enfin, je vous spoil un peu en disant ça, mais on... Voilà, on a eu des très belles choses. Mais... On veut tellement les alternatives, donc voilà. Double sleeve. Bon, après, je changerai plus tard. Oui. Parce
Hop, je suis tombé de sens. Attends, hop là, je la mets dans le coin. Ah yes, ah, ça fait plaisir. Ah là là, oui, trop contente. Tu l'avais dit en plus, c'est là que je l'adorais. Oui, c'est vrai. Et on peut faire un double, moi j'ai vu des doubles incroyables, ouais, hein, ouais. Donc pourquoi pas. Ouais, mais hein. Pas encore sur les volets, j'ai vu personne encore faire une double. Bon, et alors, pourquoi pas nous pour mais une fois. Normalement, c'est possible. Je pense que si c'était sur les autres displays, c'est pourquoi pas celui-là. C'est moi qui ai choisi le display. C'est vrai, c'est vrai. C'est tiens, Evoli. Je dis, celui-là, je le sens bien, celui-là. Bah ouais. Écoute... Je peux manquer. J'étais bien. C'est plaisir. Des mantas. Et... un blanc coton. On n'a pas, je crois, c'est la deuxième fois. La troisième fois. Ouais, 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 c'est possible. Alors c'est vrai que pour le coup, on ne veut peut-être pas trop vous spoiler sur ce qu'on a vu. On va prendre peut-être un peu plus de temps pour que vous puissiez voir les illustrations, puisque la vidéo, première vidéo, ce sera peut-être pas la première pour le coup. Ouais. Hop, allez, je vous fais voir. Donc là, on a la boutique Pandarbar. Non, pas Ragdo, c'est à quoi Aquabulle. Je l'ai plus, donc l'Empereur. Des Max, allez s'il te plaît, tu veux rallier. Non, Noctali. Oh, Noctali, on yes, l'avait pas yes, oui yes. Elle est sublime. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est la super classe, sympa. La classe, il est beau. Ah ouais, cool. Waouh. Super. Bon, celui-là, il est pour moi. Qui dit comme s'il allait vraiment l'avoir. Ah, allez, ça fait plaisir. Hop, on la met dans le petit coin. Allez, fais-moi rêver encore. Allez, ça nous rebooste tout ça. Ah oui. Sublime pour l'instant, l'ouverture. Sublime. Ouais, on est très très contents. Là, j'aimerais encore bien sûr plein de belles choses. Plein de choses. Je suis toujours, on en veut toujours bien plus. Hein. Mm. Allez, une double full art. Un record du monde avec trois full art alternatives dans le même display. Ce serait tellement incroyable, là, ouais, ce serait tellement incroyable. Je sais pas si ça peut se faire. J'ai jamais vu, donc ouais, ce serait vraiment un record du monde si c'était le cas. Deux, c'est déjà vu, avec une VMAX alternative et une V alternative, déjà vu, mais après, j'ai jamais vu enfin trois full art dans le même display. Ouais, alors la gourde que vous pouvez avoir en or. Malheureusement. Pandespied que je trouve très sympa. L'Empereur, je n'aime pas cette puissance. Bon, ah, Milobelus que j'aime beaucoup. Très simple, mais alors elle aurait mérité ça à holo, tu vois. Moi, je trouve ça dommage qu'il nous l'ait. C'est vrai qu'elle est souvent en holographique, Milobelus, mais c'est quand même un Pokémon qui est juste sublime. Ouais, ouais, c'est un Pokémon girly, bon, c'est... Ouais, le chat. Je l'aime bien aussi, mais bon. Mais bon. Ouais, bah oui, mais pour une fois qu'il change, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à remettre tout le temps à peu près les mêmes types de... Alors, la boule de Nymphalée, justement. Celui-là, je ne sais plus. Lick Magma. Enchouette. Oh, ouais, cool. Je l'aime bien, celle-là. Vraiment sublime en illustration. Ils ne sont pas loupés. Ce que je disais, elle ressemble un peu à Gardevoir. C'est un peu dans l'esprit de Gardevoir. Ouais. Gardi. Juste au bout des ongles. Bah ouais, non mais tant qu'à faire. Hein. Mais voilà. Ouais, je sais, je te dis pas. Alors, juste Gardi. Juste petite pause pour remettre un peu la cam parce qu'elle fait... juste... Boum, boum. Ouais. Hop. Donc petite pause qui vient de se finir. Hop là, je fais mon tri. Elle vient d'exploser quelque chose, frapper de joie. Ouais. Je crois que nos tampons sont finis aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Entei. Elle est sublime, ça. Ouais, elle est très belle aussi. Donc là, on enchaîne sur deux holographiques plutôt sympathiques. C'est de la classe, hein, intersidéral. Allez, VMAX Givrali, s'il vous plaît. Ouais. Alternative, s'il vous plaît. Alternative Givrali, j'aimerais bien. Ouais, ça, elle est sublime, j'adore. Givrali reste quand même, bon, ce sont toutes les évolutions, je les aime toutes. Je dis, ah, c'est une de mes préférées, mais non, je les aime toutes. Allez, Pandarbar, Kelorior, Azuril, Azumarill, et l'énergie lumière, normal. Normal. It's normal. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Quelque chose de bien, ça serait bien. Oui. De toute façon, il y a encore des belles choses qui doivent arriver. Là. Ah, Pikachu! Ah, on n'avait pas encore d'enfant.
Tu les montres un peu plus mieux parce que... Ouais, petit Pikachu très sympa dans les fleurs. Avec la montagne derrière. La montagne, ça vous gagne. Et là, pour vous dire, si vous ne l'avez pas vu, et vous verrez plus tard. En fait, voilà, c'est le chemin. Il n'y a que Lorior et Miaouf qui sont rattachés au niveau des illustrations. Et derrière, on a la pierre d'évolution de Noctali. Je vois bien que tu me trompes du Givrali. Oui, moi aussi. En VVMS, ça serait bien. Hop. Je fais mes courses. Alors, les évolutions de Flabébé. Voilà, on retrouve le maillot que je vous disais tout à l'heure. Oui, Messire qui fait le ménage. Goubou. Et. Ah, Raichu. Alors, une belle holographique, effectivement, également. Donc, qui est très sympa. On retrouve notre petit Motisma et puis le. Le Pokémon. Le Pokémon. J'ai l'Empéro en tête, mais c'est pas ça. C'est pas Caméléon, comme ça. Non, ça, c'est encore autre chose. Non, non, je vais plus le faire. Quand je vais le retrouver, je vais dire, mais oui, c'était ça, pourquoi ça n'est pas revenu? Alors, moi, je ne reconnais pas de nom. Bah, en fait, il est dans Pokémon Go, sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'y joue. Donc, en fait, c'est pour ça. Il faut demander à la grand-mère. Ouais. Azurite, qui est très mimi. Je vous laisse la découvrir. Moi, j'aime beaucoup cette illustration. J'aimerais bien l'alternative d'Aqualie aussi. Mmh. Elle est très très belle, un peu dans l'eau comme ça aussi, c'est superbe. Et Oyuessir, et derrière, holo de Marshadow. Très sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi j'ai envie que tu me droppes en double le Raichu là. Ouais. En holo. C'est une des holos que j'aime bien. Alors, Fourbulin. Barpo, j'adore. Barpo. Moi, j'aime bien cette tournée coton, mais bon, c'est pareil, c'est un Pokémon mignon, quoi. Voltorb, dans l'illustration. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je ne déteste pas, au final. Et à quoi ah, bah, Givrali. Yes. Oh, mais plus que la VMAX, le Givrali, ça serait bien. Yes, Givrali V. Très belle. J'aime beaucoup sublime. Avec ses flocons. Très, très belle. Elle est sublime. Cool. Attends, ça se dispute de la chance. Ouais, c'est vrai que là, c'est notre display à nous. Et si on avait la deuxième alternative, ouais, une deuxième alternative, une deuxième foulard tout court, hein, de toute façon. Hein, qu'il a choisi, autant qu'il nous mette le dresseur à ce moment-là. Mais je préférais quand même une alternative en plus. Ah bah bien sûr. Evoli avec une petite Rayquaza. Très sympa. Donc c'est pour ça qu'en fait, à cause de cette illustration-là, on pense que dans EB7, qui s'appelle... Sky Evolution, voilà. Je disais même pas bien en anglais, excusez-moi, parce que alors là. Ouais, on est français. Donc Sky Evolution. Pour le coup, on pense qu'il va y avoir à la fois le F7 qui va sortir avec. Donc il y a Duralugon et Rayquaza, qui sont les deux illustrations principales. Et on pense également qu'il y aura donc Evoli, d'où Evolution. Mais certains sites sont... Certains youtubeurs et enfin, pas mal de communautés nous disent, pensent que en fait, la série Evolui ne sortirait pas en français. C'est une possibilité. Alors si c'était le cas, ce serait quand même très malheureux pour tous les collectionneurs. Oui. Parce que on a autant de droits que je pense que les Japonais pour... Alors, pour Pokémon, il y aura déjà pas mal de problèmes pour Evolution parce que beaucoup. Vous avez déjà entendu des problèmes pour ça. Il hein, y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Il y aura du reprint. Il y a eu des bots qui ont tout pris. Les reprints, c'est pas gagné. Enfin, il y en aura. Ouais, mais... Normalement, ils ont prévu jusqu'à l'année prochaine. Hein, parce que oui. Y a mai 2022, normalement, il y en a une. Et puis. Septembre 2021 aussi. Aussi, normalement. Donc le problème c'est que déjà les septembre 2021 seraient déjà toutes vendues si j'ai bien fait comprendre ouais. Et on serait déjà sur mai l'année prochaine, un truc incroyable quoi hein. Ouais, pour une série qui vient juste à peine de sortir il y a quelques jours. Oui, elle est sortie elle est sortie vendredi dernier, donc aujourd'hui on est le 30, donc elle a sorti il y a 3 jours, vous voyez 31, oui pardon, ouais. 31 on de la vidéo bien sûr. Donc elle est sortie il y a 3-4 jours. Ah, Pikachu. Et derrière rien du tout. Allez, il nous manque la VMAX Givrali, s'il vous plaît. Ouais, parce que je l'ai pas.
Hop. Allez, Voltorb. Evoli. Porte nos chances, Evoli. Et derrière, lave Max. Allez, s'il te plaît. Non. Non, non, non. C'est encore Nymphali. On ne peut pas tout avoir. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc oui, on a eu plusieurs fois Nymphali. C'est pour ça que même si on l'aime beaucoup, on aurait voulu la Givrali parce que... C'est celle qui nous manque. C'est celle qui nous manque. Bon, d'un autre côté, c'est pas celle qui coûte la plus chère. Hein, ouais, mais bon. Je préfère qu'on la droite quand même. Bah oui, parce qu'il va falloir quand même réussir à l'avoir. Hein. Ouais. Hop. La dresseuse. Dresseuse. Gobou. Flabébé. Je sais plus. Ah, Entei. Entei. Elle est bien. On la droppe en général deux fois à chaque fois. Ah ouais, donc j'en connais un qui va m'en piquer une. Je pense. J'ai rien dit, mais je pense. Alors, hop. Ah, des fois. Ah, on galère. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, on l'a dit, il y avait la full art, effectivement, dans le booster, on a galéré à ouvrir. Donc, c'est bien qu'il y ait une deuxième full art. Oui, là, j'aimerais bien. Hein. Allez, hop. J'aime beaucoup, quand même, cette illustration. Je la trouve très, très, très mignon. Mm. Pour toute maman qui se respecte. Pikachu. Pikachu. Pandarbar. Et... énergie derrière. Là, c'est trois petits Pikachu, trois petits Evoli. Hein. Hop. Allez, stoppez. Mesdibule. Volcano. Pikachu à nouveau. Et la pierre d'évolution derrière. Oh, Pika, là, il nous aime bien Pika. Bah, il évolue aussi, hein, mine de rien. Oui, il évolue aussi, ouais. Ça fait descendre le cuivre. Ouais. Hop. Voltorb. Voltorb ou l'évolution de Voltorb? Non, c'est Electrode. C'est Electrode, ouais. Je l'avais pas titillé au début. Volcanoprom. Tandespiec, Colorier. Ah, une autre V. Noctalie. Ouais. C'est bien, ça. Noctalie. Mon kiki, Noctalie. Bah là, je vois qu'il reste 3 boosters. Bah écoutez, on va garder les 3 boosters. Parce qu'on approche des 200 abonnés. Et bien voilà. Sûr, et on fera un petit jeu concours. Exactement, et on a décidé de garder un peu de boosters pour booster. Nous, pour notre collection de boosters. Et puis aussi pour le concours, on va sûrement gagner. Exactement. On a l'intention de vous en faire gagner si on peut. Donc voilà. Hop, Colorior. Volcanopron. Motisma. Et derrière, pour finir, un électrode. Voilà, voilà. Bon, bah les amis, on a eu donc. Une très beau drop. Très beau drop. Donc DV, DV Max. Et surtout la foulard qui est vraiment sublime. La petite alternative de Nymphali. Qui est sublime. Je la trouve très sympa avec ses gâteaux. Elle est cool. Hein. Elle est vraiment cool. Je suis très contente là. Ça fait du bien. Ouais. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'il y a le coffret VMAX qui arrive. Ouais. Il y a d'autres displays que vous n'avez pas vus qui vont apparaître sur la chaîne aussi. Quand on atteindra les 200 abonnés, on lancera, comme pour les 100 abonnés, un jeu concours. Exactement. N'hésitez pas. Et venez puis... nombreux. Ça sera du heavy dans en jeu concours. Ouais, il y aura du heavy héros. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a aussi des surprises, plein de surprises. J'ai réservé plein de grosses, belles surprises. Mmh. J'en ai mis sur Insta, mais tout n'est pas sur Insta. Parce qu'on veut garder quand même un peu le suspense. Ouais. Enfin, j'ai pas encore vu de youtubeur français le faire, donc. Donc, on verra bien. Donc, en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bye bye.